Tu trouves que je me tiens pas droit? Ça te choque? Mais non. Alors, tu peux te mettre au milieu. Magnifique. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Okay. Faut patienter, quoi. Okay, si tu dois aller aux toilettes, tu le dis, y a pas de problème. Ok, hein. Alors l'événement ce soir, c'est la Museum Night Fever. Le fait qu'il y a tant de monde, c'est un peu plus stressant parce que j'ai l'habitude de travailler dans mon studio tranquillement, mais ça va être un chouette défi à relever. Non, ça chatouille pas, c'est assez spécial. Il y a une sorte d'épaisseur comme ça sur moi, un peu froid. Pour moi, sincèrement, c'est très similaire, très très similaire à peindre sur une toile. Parce que en fait, je suis concentré, je ne vois même pas le modèle en fait, sincèrement. Désolé, mais après, quand je prends du recul, là, je vois le modèle et je me dis, tiens, c'est cool. L'effet principal que je souhaite avoir, c'est de faire disparaître le modèle, qu'on la voit quand même encore juste assez, de la surprise, de l'étonnement, de se dire, tiens, il y a quelqu'un, est-ce que la personne est dessinée, est-ce que c'est une vraie personne? Les gens principalement me connaissent pour mon travail Pencil versus Camera. Donc c'est un style artistique qui mélange de la photo et du dessin dont je suis vraiment l'inventeur. J'ai inventé cette technique en 2010 et maintenant c'est devenu presque un style artistique à part entière. Il y a plein de jeunes, c'est enseigné dans des écoles, etc. J'en ai fait un peu partout en Europe, même en dehors de l'Europe. Donc ici c'est l'extrême opposé, donc j'aime bien varier mon travail, me faire plaisir. Et on ne vit qu'une fois, alors pourquoi se mettre des barrières et des limites, hein? Donc quand j'arrive plus à rien rajouter, c'est que c'est fini, c'est bientôt fini, je pense. Tu te reconnais un peu, regarde. Non. C'est cool, hein? Bon, je vais mettre la salopette maintenant et on va se balader partout dans le musée. Ouais. Après, on va essayer de trouver une douche, mais ça, pour ça, il faut que je trouve l'organisateur, tu vois.